Donne-moi ça. Oh. Oh, ça fait du bien. Oh. Parce que là, j'étais morte de soif. C'est bon, on y va. Oui, non. Bon, je vais d'abord aux toilettes. Viens. Si Monsieur Victor sort, tu lui dis que j'arrive. Fais attention, hein. Assieds-toi ici. Et surtout, ne touche à rien, Antonia. Bah dis-moi, décidément, rafraîchissant. Bon sang, où est passé Santiago? J'ai l'impression qu'il n'est pas resté. Daniela, mon amour. C'est pas vrai. Tu m'amènes des musiciens et des vrais. Toi, je t'adore. Jamais personne ne m'avait encore fait de cadeau aussi beau. Contigo apprendi a conocer un mundo lleno de ilusiones. Semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías, y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí, fue la luz de los... Il veut profiter de Daniela. Je suis sûr que ce type n'a pas de bonnes intentions. Il veut simplement la faire souffrir. Toi, qu'est-ce que t'en sais? Tu délires, Augustin. C'est la colère qui te fait parler. La vérité? La vérité, oui. Je suis complètement accro à Daniela. Elle est là dans mon cœur. Pourquoi elle? Hein? Ici dans le quartier, il y a plein de filles à qui tu plais. Pourquoi tu les repousses? Si tu savais combien d'entre elles se lèvent le matin en pensant à toi. Il y en a même une qui meurt d'envie de te regarder comme ça. Vraiment proche. Et compter combien tu as de cils. Oui, mais la seule à qui je laisserai jamais compter mes cils, eh bien, c'est Daniela. Tu gonfles avec Daniela! Tu vois pas qu'elle va se marier avec Santiago? Et toi, tu ne vois pas qu'il va la rendre complètement malheureuse? Cette pauvresse a une amie qui est encore plus sale et encore plus timbrée. Et qui m'a poursuivie avec une batte de baseball parce qu'elle voulait me tuer. Tu sais de quoi je me suis rendu compte? De quoi? Ce n'est pas nécessaire de bien traiter ce genre de personnes. Je te jure, parce que ils ont grandi comme des sauvages. Et en plus, ils ont l'habitude de résoudre tous leurs problèmes avec des coups. Ce que je sais, Sandra... C'est que derrière ce numéro de compassion, il y a un plan. Attends. J'essaye de faire ce qui est correct. Et tu penses que c'est négatif. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Et maintenant, tu vas voir, ma petite chérie. Oh mon Dieu! Aïe! Oh.
Qu'est-ce qu'il y a? Où est Santiago? Si tout se passe bien, à cette heure-ci, il doit être en chemin pour Cuernavaca. Et tout a été mis en place à Cuernavaca pour le recevoir? Oui, enfin... Oui? Je suis maintenant certain que cette fille ne se mariera jamais avec Santiago, tu vas voir. Ah, Horacio. Hey. J'espère que Santiago pourra nous pardonner un jour. Je te jure qu'il comprendra qu'on a fait ça pour son bien. Simplement pour son bien. Avec ceci, je veux te prouver qu'il n'y a rien dans ce monde qui pourra nous séparer. Voici la promesse que je te fais. Cet anneau symbolise mon amour, l'amour que j'ai pour toi. Qui me pousse à te demander à genoux d'être ma femme. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Qu'est-ce que c'est? Je ne pourrai jamais avoir la chance, jamais! Daniela! Daniela! Allez, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi! Espèce de vieille ivrogne! Tu n'es vraiment qu'une vieille alcoolique! Un baril sans vent, allez, réveille-toi! Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi! Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive, j'ai même l'impression de faire un rêve. Quelqu'un doit me placer très fort pour que je me réveille. Santiago, dis-moi que c'est vrai, dis-moi que je ne rêve pas. Tu ne rêves pas? Je suis amoureux de toi depuis le premier jour où je t'ai vu. Je t'aime. Et jamais je ne me fatiguerai de te le dire. Tu sais, après les chanteurs et la bague, je ne sais pas, ça me fait un peu peur. Ça me fait peur de me sentir si jolie. Je peux te dire une chose? Oui, dis-moi. Eh bien voilà, quand tu m'embrasses... J'ai la chair de poule et ça me fait tout drôle. Mon sang monte à des températures proches de 100 degrés. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. Tu peux le faire. Je te tiens dans mes bras. J'aimerais rester blottie dans tes bras toute ma vie. Moi aussi. Daniela. Quoi? Je dois te dire une chose. Vas-y, dis-moi. C'est quelque chose qui ne va pas te plaire beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis responsable des relations publiques dans l'entreprise. Des relations publiques? Oui. Je fais un suivi des clients, les nouveaux, les anciens, et je signe aussi les contrats. Et pourquoi tu dois y aller justement maintenant que tu viens de me dire que tu voulais te marier avec moi? Mon amour, Cuernavaca est vraiment proche. Oui, je l'ai vu à la télé, ça a l'air tellement beau. Tu aimerais venir? Non, c'est contraire à Dieu. Comment penses-tu que je pourrais passer la nuit avec toi avant d'être mariée? Tu resterais certainement dans une autre chambre. Ça, non. Et ne me le demande plus, hein, parce que je vais commencer à douter de toi. Douter comment ça? Que je veux profiter de toi? Non, mais bon, j'étais déjà... en train de me faire des films où on chercherait notre nouvelle maison, nos meubles. Même si c'était juste... juste un peu. Parce que maintenant, je travaille et nous pouvons les payer à crédit. Non, vraiment, tu veux m'aider? Mais bien sûr. Tu crois que je vais rester à rien faire pendant que tu travailles? Alors ça, c'est mal me connaître. Bon, pour le moment, tu vas devoir attendre un peu. Je vais passer une nuit sur place et je suis de retour. Et on peut commencer à parler du mariage. Bon, d'accord, ça va très bien. Tu me donnes un baiser de départ? Non. Avant que j'oublie, est-ce que la bimbo parfumée part avec toi? Je veux dire, Sandra. Réponds-moi, elle y va? Mais non, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu vas croire? J'ai l'impression qu'elle commence à prendre sérieusement racine chez toi. Non, elle va pas venir. Tu m'embrasses? Il faut que j'y aille. Je t'aime. Reste encore un tout petit peu. Non, il faut que j'y aille. Allez. Je dois partir, parce qu'on m'attend. Ok. Vierge Marie, prenez soin de lui sur son trajet, parce que sinon j'en mourrai.
Je l'aime tellement que j'en oublie tout le reste. Oh non, Ottilia! Ottilia et Monsieur Victor, oh non! Allez, lève-toi, réveille-toi, réveille-toi! Ah, Daniela! Non, Daniela, c'est pas ce que tu crois, hein? Monsieur Victor! Non, écoute-moi, s'il te plaît! S'il vous plaît, ne m'en renvoyez pas! Je vous jure sur la Vierge Marie que je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand elle est arrivée, elle était aussi saoule! Allez, Ottilia! Oui, elle est vraiment saoule, en fait. Elle est ivre, elle est ivre morte, quoi! Bah écoute, s'il te plaît, Daniela, je suis dans mon bureau, je suis tranquille. Je m'attends à ce que... Bon, tu réponds au téléphone et le téléphone sonne et sonne et sonne et je sors, je découvre ce spectacle. Absolument pitoyable. Je vous jure que ça n'arrivera plus. Je vous le jure sur ma petite Marelle et puis sur Paulina, qui sont les personnes que j'aime le plus. Ottilia! Ottilia, pour l'amour de Dieu, réveille-toi, Ottilia! 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 Non. Ottilia! Ah non, on ne fera pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Comme c'est ce qui se passe, hein? Tu n'as pas honte de toi? C'est horrible. Allez, lève-toi. Allez. Elle peut même pas se tenir debout. Monsieur Victor, s'il vous plaît. Je vous jure devant la tête de Dieu qu'elle ne le fait pas souvent. Elle souffre à cause de son fils Louis. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai tellement besoin d'argent. Oui, ne me renvoyez pas, monsieur, s'il vous plaît. Bon, j'ai compris. C'est pas grave. De toute façon, j'avais du mal avec le téléphone. Bon, c'est d'accord. Cette fois-ci, je te renvoie pas. Mais c'est juste cette fois et cette fois seule. Merci, monsieur Victor, merci. Merci. Je ne se reproduise plus, hein. Viens ici. Ah, allez, maintenant, allons, on va chez elle. Allez, on y va, réveille-toi, allez. Pourvu qu'elle ne... Oui. Allez, on y va, allez. Qu'elle ne boive plus jamais autant d'alcool. Dépêche-toi, allez. Tu me donneras un coup de main quand tu sortiras, Diego? Ça se voit que son avocat, il est hyper compétent et puis il doit avoir le bras long aussi, non? Déjà, laisse-moi sortir d'ici. À ce propos, tu ne sais toujours pas quand? Tu sais quoi, petit? Dehors, il y a beaucoup trop de gens qui profitent de vie, basés sur le mensonge. Et qui c'est? C'est celui qui t'a fait enfermer? Ce foutu salopard va enfin devoir payer pour tout ce qu'il m'a fait. Il va même regretter d'avoir jamais vu le jour. Dis-moi, comment il s'appelle le foutu bâtard que tu veux te venger? Et en plus, j'ai absolument le droit et tous les pouvoirs possibles pour me venger. Dis-moi, Diego. Vas-y, dis-moi, comment s'appelle le bâtard de qui tu veux te venger? Qu'est-ce que tu vas lui faire, hein? Raconte-moi, Diego. Qu'est-ce que tu vas lui faire? T'en mêles pas trop, Louis. Moins tu en sais, mieux c'est. Sache tout simplement... Quand 20 ans passés derrière les barreaux, je n'ai pas pu profiter ni même embrasser ma fille. Pendant que ce fichu salopard a pu aimer la sienne. Pendant toutes ces années. Qu'est-ce que tu vas faire à sa fille, Diego? Oscar? Salut, Karina. Qu'est-ce que tu veux? Et pour qui est-ce que tu te prends, hein? Et de quel droit tu es venu peinture lurée devant ma maison, hein? C'est pas correct. Peinture lurée? Je ne savais pas. Je pensais que tu avais dessiné une fleur. Je pensais que tu l'aurais aimée. Non, elle ne m'a pas plu. Et je n'aime pas non plus que tu me suives, alors ne le refais plus jamais. Qu'est-ce que tu as, hein? Non, qu'est-ce que tu as, toi? Et puis, couvre-toi un peu. Tu comprends pas qu'entre toi et moi, il ne pourra jamais rien y avoir? Écoute, n'imagine même pas que nous puissions être amis, parce que si mes parents nous voient, ils seraient capables de te tuer. Donc il vaut mieux en rester là. Et puis disparaît de ma vie, et je le dis sérieusement, fais-le rapidement. Mais réponds-moi, je suis en train de te dire que toi et moi, nous ne pouvons pas être ensemble, ni même être amis, parce que si mes parents te voient avec moi, ils vont te tuer, comprends-le? Cuernavaca, voilà. Mexique. Santiago. Comment ça va, monsieur Islas? Très bien. Dis-moi, comment était ton voyage? Très bien. J'ai déjà pris ma chambre, donc nous pouvons parler des détails du contrat. Oui. Enfin, pourquoi aller aussi vite que ça? Nous pourrions commencer la soirée en allant prendre un verre au bar. Regarde un peu comme le temps est agréable. Merci, mais franchement, je ne suis pas habitué à boire. Un petit verre ne va pas te faire de mal. Allez, s'il te plaît. D'accord. Allons-y. Raconte-moi comment vont tes parents. Très bien, tout va très bien à la maison. Tu es sûr que M. Islas va t'aider? Bien sûr que oui, il me demande beaucoup de faveurs.
Espérons que tu ne te trompes pas. Calme-toi un peu, pour l'amour de Dieu, j'essaie de faire, s'il te plaît. Comment veux-tu que je me calme alors que nos enfants sont des catastrophes? C'est reparti pour un tour, je vais avoir mon même refrain. Regarde-le, Karina n'est pas revenue. Je ne sais pas où est ma fille parce qu'elle ne répond pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-elle? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Karina. Non, arrête, ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il prend, Karina? Comment ça, ne pas te toucher? On ne fait rien de mal. Comment ça, on ne fait rien de mal? Je ne suis pas comme ça. De ma vie, je n'ai jamais fait ça. Encore moins avec quelqu'un que je connais à peine. Alors maintenant, je suis quelqu'un que tu connais à peine. Tu ne ressens rien? Tu ne ressens rien pour moi? Ils vont me tuer. Ils vont me tuer en arrivant à la maison. Karina, ce que nous avons fait, ce n'est pas mal. Et en plus, je n'étais pas obligé à faire quoi que ce soit que tu ne voulais pas. Je ne pensais que tu éprouvais la même chose que moi. Non. Si tu t'es blessé, excuse-moi. Tu vas où? Comment ça, je vais où? Mais chez moi. D'accord, je t'accompagne. Je ne veux pas non, que tu... Non, ne couche pas, je ne veux pas. Bah, tu parles d'une bague? Est-ce qu'elle est vraie? Je sais pas. T'en penses quoi? Fais voir. Moi, je pense que c'est une vraie, ma petite. Faut pas longtemps pour deviner que Santiago est blindé comme pas permis, hein. Oh, je suis heureuse. Je vais me marier, je vais me marier. Pauline, je vais me marier. Ah non, me colle pas comme ça, j'aime pas ça, hein. Quoi? Ça te fait pas plaisir? Santiago est gentil, en plus il m'aime. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, à vrai dire, quand on parle d'amour, de l'amour, du fait de tomber amoureux, moi, je l'ai vécu une seule fois. Et malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. C'est pour ça que tu ne t'es pas remariée? C'est pour ça. Non, et aussi parce qu'avec ma Paulina, j'ai tout ce qu'il me faut. Pas vrai, ma chérie? C'est clair, maman. Pas vrai, maman? Ah, ma chérie... Des hommes comme le beau Santiago qui s'intéresse à nous, ça ne court pas vraiment les rues. C'est en voie de disparition. Oh, ma chérie, là-bas. Monsieur Tony! Qu'est-ce qu'il y a, Thérée? Vous sentez? Oui. Vous allez où? Je n'ai quand même pas à te dire où je vais. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne venez plus me retrouver. Je n'ai plus envie. Bonsoir. Ça va mieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que tu t'es pris la cuite du siècle. Et si je n'avais pas supplié, Monsieur Victor m'aurait renvoyé. Oh, qu'est-ce que tu me racontes, là, Daniela? J'ai pas bu une goutte d'alcool. Oui, bien sûr, tu n'as bu que de l'eau, c'est ça. Ma reine, regarde. Santiago me l'a donné. Et tu sais pourquoi? Parce que nous allons nous marier. Je suis obligée de les cacher pour que Tiliane ne me voit pas. Parce que sinon, elle va me faire son refrain habituel. Que je suis têtue, que je ferais mieux d'aller avec Carmelo. Elle serait capable de la prendre et de la vendre. Est-ce que tu es contente que je me marie avec Santiago? Je suis si heureuse, ma reine. Je l'aime tellement. Oh, j'ai hâte que nous partions dans une autre maison avec lui, parce que je ne vais pas te laisser avec Otilia. Tu le sais, n'est-ce pas? Comme j'aimerais que ma maman soit ici pour pouvoir lui annoncer de si bonnes nouvelles. Ma reine, je n'arrête pas de penser à ce dont nous avons parlé sur ma mère. Si mon père l'a tué, ça veut dire qu'il est en prison, n'est-ce pas? Ma reine, si tu sais quelque chose, dis-le-moi pour l'amour du ciel, oui?
En prison? Alors, dans ce cas, moi, je... Quoi de neuf, Daniela? Comment ça va? Vous voulez quoi? Qui vous a donné le droit d'entrer? Je ne vais pas te faire mal, Daniela. Je viens juste apporter une boîte de chocolat et parler un petit peu avec toi. Je n'ai absolument rien à vous dire, monsieur. Voilà. Écoute. Bon, la vérité, je regrette vraiment la manière dont je me suis comporté avec toi. Et bon, je suis venu te dire que je m'excusais. Et voir si tu peux être... Tu me permettrais de te parler ou de te faire la cour ou appelle-le comme tu veux, en fait. Ne tentez rien, Carmelo. N'essayez même pas. Vous perdriez votre temps. Je vous le dis encore une fois. Je suis sur le point de me marier avec un autre. Et celui-là, je l'aime. Compris ? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est toi la coupable. J'ai des envies de te tordre le cou, espèce de vieille geek. Qu'est-ce qui me prend? Je viens d'apprendre que non seulement je te la dégoûte, mais qu'en plus elle a un fiancé et elle va se marier avec lui. Mais fais pas attention à elle, elle est folle. Non. Ce qu'elle m'a dit est vrai. J'ai payé très cher pour elle. Tu t'es bien moqué de moi. Si tu veux, je te le rembourse. Non, je ne veux pas de mon argent. Je veux Daniela. Parce que tu me l'as promise. Maintenant, tu as sacrement intérêt à me la donner. Ou tu vas en subir les conséquences. Et je te jure, Otilia, tu me connais bien. Elles risquent d'être les pires conséquences que tu aies connues dans ta misérable vie. Gay Pic. Ah, pardon. Non, vas-y. Papa, je suis ici à Cuernavaca. Oui, avec Monsieur Islas. Comment va notre affaire? J'ai pas encore signé pour l'instant. Nous n'avons fait que boire et parler de femmes. Attends, donne-moi une seconde, fiston, ok? Allez, sors d'ici. Retourne là-bas. Surtout, sois patient, fiston. Dis-toi bien que c'est quelqu'un d'important pour nous. De sa signature dépend beaucoup de choses pour l'entreprise, et tu le sais. Si je bois un verre de plus, je vais perdre la tête, papa. Tu es à l'hôtel, non? Si tu sens que tu as trop bu, va juste dormir, voilà, c'est tout. D'accord, papa, on se voit demain. Embrasse maman. Bien sûr que oui, fiston. Bien sûr que oui. C'est un autre symbolisme, mon amour. L'amour qui me pousse à te demander à genoux d'être ma femme. Ah, mon Santiago. Bien si. Maintenant, nous allons parler sérieusement, toi et moi. Si tu vas me dire toute la vérité, c'est vrai que tu as dit à Carmelo que tu allais te marier avec un autre? Et maintenant, mesdames et messieurs, le meilleur cabaret à l'honneur de vous présenter l'exotique, la reine de la jungle, l'inégalable, l'unique, la formidable Yamina! Que tu étais aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu es arrivé si tard? Et pour moi, Karina, je te parle, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Comment ça, rien?
Ne fais pas l'idiote et réponds-moi. Et regarde-moi quand je te parle. Tu as le regard dans le vide. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as? Tu as fumé ou quoi? Non, il n'y a rien, maman. J'ai beaucoup de devoirs. Bonne nuit, maman. Bon, maintenant que... Attends, donne-moi la main. Ouais, allez. Est-ce que tu t'es fait mal? Non, tout va bien. Ah, ne t'inquiète pas, je vais te raccompagner à ta chambre. Ah, doucement. Santiago, on y va. Ah, c'est par là, on y va, allez. Maintenant, on plaisante plus, Daniela, parce qu'on s'était mis d'accord sur ton mariage avec Carmelo. Pas question. Et Laurence, pas, hein? Parce que si tu continues à lui bourrer le crâne pour qu'il vienne me voir, je te jure que j'irai trouver la police. Ah, je te jure vraiment quelle ingrate tu fais. Et puis aussi, surtout, têtu. Parce que tu crois vraiment que ce fils à papa va tenir ses fichues promesses, hein? Bien sûr que oui. Ce sont que des mots balancés en l'air. Ce salopard va te prendre la seule chose de valeur que tu es. Il va te déshonorer. Et ensuite t'envoyer balader. Au contraire, Carmelo, t'as donné une magnifique bague de fiançailles. Ottilia, arrête tes salades. Et pour t'embêter encore plus, je vais épouser Santiago. Je vais aller vivre dans une très belle maison. Et tu sais quoi? Je vais emmener ma marraine avec moi. Tu ferais bien de penser un peu à elle, imbécile. Parce que je t'avertis, si Carmelo vient ici pour me faire du mal à moi, pour se venger de ton mépris, celle qui va payer, ce sera Micaela. Oh, ma reine. Je crois que tu y as vraiment dépassé les bornes. Je vais parler à Santiago pour lui dire ce qu'il se passe ici. Je suis heureux que nous ayons signé le contrat, monsieur. Non, appelle-moi Islas. Je te remercie du fond du cœur, Santiago, d'avoir accepté de boire quelques verres avec moi. Quelques verres? J'ai vidé toutes les réserves auparavant. Toi, t'es très drôle, regarde. Nous sommes arrivés à la chambre, regarde. Tu vas passer une bonne nuit, je vais t'ouvrir, excuse-moi. Je vais t'ouvrir, surtout tombe pas. Voilà. Allez, maintenant. Tu vas dormir comme un petit ange. Si ça sent bizarre. Bonne nuit, petit chanceux. Bonsoir, Santiago. Non, tu exagères. Le gamin voulait juste parler un peu. Fais pas ta mijaurée. Ça se voyait quand même bien. Le gamin en pince un pour toi. Il est venu au cabaret pour te trouver. C'est des bêtises, Luna. Ces gamins ne viennent ici que pour une chose. Oui, c'est ce que nous offrons, chérie. C'est ce que j'ai. Pas moi. Je fais mon spectacle. Hein? Et je parle avec les clients, c'est tout ce que tu sais. Ah, chérie. Moi, je trouve que tu es bizarre. Quoi? Avec le corps que tu as et cette tête d'ange, tu pourrais avoir qui tu veux le restant de tes jours. Ou alors, dis-moi un peu, tu attends que le père de Paulina revienne un jour? Les morts ne reviennent jamais, Luna. Ah. Ah, bonsoir. Ça va? Ça va. Demande pour toi. Ton gamin est arrivé. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Le spectacle va commencer dans une heure. Oui, je sais, je suis là pour t'offrir un verre. Tu l'acceptes? Pardon. Pardon, pourquoi? Parce que je me suis trompé de chambre, non? Non, ne pars surtout pas. Parce que tu es dans la bonne chambre, Santiago. Mmh. C'est le bon numéro. Et c'est évidemment la bonne personne. Ce que je fais, c'est pas correct. Oh. Ce que tu es impulsif. Ah, où sommes-nous? Nous sommes dans la suite nuptiale de Cuernavaca, dans un hôtel magnifique. Attention. Nous sommes seuls. Seuls, toi et moi. Où est la salle de bain? Oh, mais qu'est-ce que tu peux être pudique? Je veux aller aux toilettes. Tu veux aller aux toilettes? Oui. Si tu
penses que tu t'y sentiras plus à l'aise? Je t'accompagne. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? La toilette. Oh, ah, quelle horreur! La césure, Otilia, a vraiment dépassé les bornes. Oui. J'ai peur qu'elle fasse du mal à ma marraine quand je ne suis pas là. Je suis sûre qu'elle et Carmelo, ils sont capables de l'emmener ailleurs. Quel vieux cochon! Il réalise pas qu'il agit comme un chien. Pourquoi il est encore après toi, dis-moi? Je ne sais pas, Otilia, lui bourre le mou. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il lui donne de l'argent pour qu'elle arrive à me convaincre. Daniela, fais ce que je t'ai dit et va porter plainte à la police. D'ailleurs, va tout dire au père Vincent et à tous les coups, il va t'aider. Non, Paulina. Ce que je veux, c'est parler à Santiago, lui dire comment ça se passe et essayer de trouver une solution. Il ne faut pas en arriver au pire comme d'habitude, non? Pour qu'il ne me dise pas, quoi, tu ne me l'as pas dit, tu n'as pas confiance en moi et tous ces trucs, il vaut mieux mettre tout à plat, non? Enfin, oui, là-dessus, t'as raison, hein. Mais en plus, je dois respecter sa position parce qu'il est pratiquement mon mari. Mais attends, Santiago, il n'est pas sorti de Mexico? Il est à Cuerna. Il m'a laissé toutes les informations d'hôtel où il est et demain, je vais aller le rejoindre. Quoi? Tu vas toute seule? Mais on y va ensemble, hein? C'est d'accord. Et ton boulot, alors? Tu vas quand même pas le laisser tomber le deuxième jour, non? Oui, bon sang, j'avais déjà oublié, bien sûr non, que non. Non, tu peux pas faire ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que j'en sais? Oh. Tu vois, je t'ai attendu. Viens. Viens. Qu'est-ce viens, que tu fais viens, là? Viens, 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 parce que là, j'ai vraiment, vraiment très froid. Allez, viens. Ce que je fais ici, eh bien voilà. Je t'accompagne pour que tu ne sois pas seule. Viens, installe-toi avec moi. Non, 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 Sandra, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de te le dire. Tu m'as demandé de t'accompagner, me voici. Je viens t'aider. Je t'ai demandé quoi? Tu m'as demandé de t'accompagner et me voici. T'es vraiment une bonne amie. T'es odieuse, hyper gâtée. Mais t'es une bonne amie. Moi, par contre... Toi, quoi? Je... Toi, quoi? Et Santiago? Hé, hey, Santiago! Oh, tu m'énerves! Oh, Tony, pourquoi tu es si méchant avec moi? Alors que je ne suis qu'amour avec toi. Tu m'as un petit trippé comme tu n'imagines même pas. Ah... Yamina, qu'est-ce que tu trafiques avec cette femme? Et maintenant? Maintenant quoi? Tu as dit que tu voulais me parler, alors de quoi? Ah, eh bien, ce n'est pas comme si j'avais un sujet spécifique autour duquel on pouvait parler, c'est juste que... je voulais être avec toi. Ah oui? Être avec moi et... Mais c'est tout. Merci pour l'invitation, hein? Mais non, non, Yamina, t'en vas pas? Ce que je dis, ça te dérange? Non! Non, non, c'est que mon spectacle commence. Hein? Ah! À très vite. Oui. À plus tard. Oui, ah, mais Yamina, j'aimerais beaucoup te revoir. Hein? Dans un endroit où tu serais plus tranquille, où tu n'es pas à travailler ni à parler à personne. Ça te dirait que. Bon, je passe te prendre. Ne me demande pas ça. Tu sais ce que tu as à faire, Sandra. Mais Santiago n'a jamais été aussi ivre de sa vie. Je te jure, écoute-le comme il ronfle. Eh bien, trouve un moyen, parce que cette nuit ne se représentera plus. Tu n'auras pas d'autre opportunité. Ok, mais que ce soit bien clair. Toi et Rebecca, vous allez devoir me soutenir. C'est bien compris? Tu fais ce que tu dois faire, Sandra, et tu ne recules devant rien. Ça nous arrange tous que les choses se passent bien cette nuit. Maintenant, toi et moi, nous avons des choses à faire. Bonjour, direction générale. Oui, veuillez patienter, je vous mets en relation. Réception, bonjour. Oui, monsieur, un instant. Bonjour, Daniela, ça va, hein? Bonjour, monsieur, bien. Je suis heureux de voir que tu t'améliores. Bonjour, comment ça va? Dis-moi, qu'est-ce que tu as là? On dirait de la terre, non?
Est-ce que tu peux aller te laver la figure? Tu sais que j'aime bien que mes employés soient présentables, s'il te plaît. Oui, monsieur, merci. Oui, très bien, c'est parfait, c'est parfait. Ah, au fait, j'ai eu une... Monsieur, en fait, oui, j'aimerais vous demander une faveur, voir si je peux... Non, je sais qu'il s'agit d'une autre avance, mais pas avant la quinzaine, c'est d'accord? Et s'il te plaît, il faut que tu sois impeccable, j'ai besoin que tu sois prête vers 2 heures. Tu m'accompagnes à un déjeuner d'affaires, ok? Et pourquoi moi? Pourquoi? Eh bien, parce que je veux voir si tu as des aptitudes pour être mon assistante de direction, c'est d'accord? Très bien. Sois prête à 2 heures. C'est pas vrai. Je ne vais pas pouvoir retrouver Santiago. Si j'y vais, que je ne l'accompagne pas, il me vire. Et si je ne vois pas Santiago, Otilia va faire du mal à ma marraine. Bonjour, mon amour. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu es grossier? Hier, quand tu m'as appelé, tu ne m'as pas parlé de cette façon. Je vais sortir, et quand je reviens... Attends, tu vas sortir comme ça, tout nu. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Sandra? Hier, tu m'as appelé, et tu m'as dit de venir parce que la femme de ton client était là. Et je ne savais pas quoi faire, et j'ai appelé ton père. Et il m'a dit de venir. Tu veux dire que mon père est toi? C'était toi. C'était le parfait prétexte. Et ce que tu voulais, en fait, c'était être avec moi. Oh, ça a été merveilleux. C'est bien ça, vieux frère, c'est bien ça, la même table que d'habitude, celle que j'aime, celle dans le petit coin. Oui. Bon, oui, avec du vin, ambiance romantique, et si tu peux me trouver ce trio que j'aime bien, ça me ferait plaisir. Ce qu'il y a, c'est que j'aimerais souhaiter la bienvenue à ma nouvelle acquisition. C'est une bombe, tu n'imagines pas les yeux. Et en plus, elle est jeune. Oui, très bien. On se voit là-bas au restaurant vers les 2 heures. Oui, d'accord, je te laisse. Ciao, ciao. Allô? C'est moi, mon cœur. Je t'appelle juste pour te dire que j'arrive là-bas. Comment que tu arrives là-bas? Mais où ça? À ton bureau. Pour enfin rencontrer ta nouvelle réceptionniste. Ah bon? Mais de quel réceptionniste tu me parles? Je ne comprends pas. J'arrive là-bas. Comment? Allô? Mon amour? Comment ça, elle vient pas ici? Non, pas comment ça, elle vient pas ici. Merci. Pas question. Quoi qu'il se passe, ma marraine passe toujours en premier. Daniela, écoute-moi, s'il te plaît, oui? Douce, Victor, non, ce non, écoute-moi, s'il te plaît, je me rends, tu t'en ailles tout de suite, tu veux quoi? Quoi? Non, qu'est-ce que tu as dit? Tu veux quoi? Quoi, j'ai un truc très urgent. Tu as un truc très urgent, très bien. Prends-toi la journée, allez, tu peux y aller. Non, tu peux y aller, je comprends que tu sois pressé, que tu aies des choses à faire. Je suis conscient de ton âge, allez, vas-y. Vas-y, c'est bon, oui. Je peux y aller, alors vous n'allez pas vous aider. Vas-y, s'il te plaît, c'est d'accord, vas-y. Oui, c'est d'accord, au revoir, que ça se passe bien, au revoir. Oh mon Dieu, quelqu'un peut me dire pourquoi je me suis marié? Allô, Augustin, me refuse pas ça. Sûr que Dieu et tous les saints du paradis te remercieront. Même s'ils ne me remercient pas, tout ce qui touche à Daniela, c'est très sensible. Tu vois comme tu es? C'est pour rendre un service à Daniela. Pourquoi elle n'est pas venue me le demander? Elle n'est pas venue parce que tu la rends un petit peu nerveuse. Mais tu le sais. Au fait, tu sais conduire? Comme si tu ne me connaissais pas, Augustin. Je suis l'as des as du volant, je te rappelle, hein? Tu y fais gaffe, hein? Arrête de t'inquiéter, allez. On se voit plus tard. Ok, d'accord. J'ai l'impression que je commets une erreur. T'as fini par le faire céder, hein? Au fait, Paulina, tu sais conduire ou pas? Bien sûr. Bon, ça fait 4 ou 5 ans que j'ai pas pratiqué, mais bon. Ah oui, donc ça fait finalement très peu de temps. Ah... Tu sais quoi, la voiture d'Augustin, ses petits secrets, mais je les connais, je crois que je vais y arriver. Attends, je crois me rappeler que tu as appris à conduire dans les auto-tamponneuses, non? Auto-tamponneuse toi-même, et tu vas voir ce que c'est qu'un chauffeur de Formule 1, ma chérie. Allez, on y va. On ne pourrait pas aller plus vite? Oui, mais je sais toujours pas comment dépasser la seconde. Attends, je crois que je suis passée en troisième. Allez, tu dois bien savoir comment faire. Voilà, ça y est, j'y suis, non? Deux secondes. Daniela, pas de pression, hein. Papa, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hier, quand tu as appelé Sandra, tu devais être sûr que... Je n'ai pas appelé, c'est illogique. Pourquoi je l'aurais voulu ici?
Bon, d'après toi, pour qu'elle t'aide avec la femme de Monsieur Islas, non? Non, je t'ai appelé toi. Je t'ai dit que tout allait bien, mais le client m'a fait beaucoup boire, papa. Attends, attends. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux hier soir que tu regrettes autant, hein? Rien, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Je dois raccrocher. Mes vêtements sont dans un triste état et je dois les envoyer à la laverie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Sandra a respecté sa part du marché. Ce qui veut dire que... Après tout ça, ton fils va devoir réagir comme un vrai gentleman et se marier avec elle, non? Bien sûr, bien sûr. Tu vois, c'en est fini de la menace de cette petite... Comment? Cette petite saleté. Oui, c'est ça. Tu es content? On n'a pas de moteur, à tous les coups, on nous l'a volé. Est-ce que t'es bête, hein? Le moteur des coccinelles, il est derrière. Regarde. Tiens, passe-moi la clé. Ah, d'accord. C'est pas gagné, hein? Tu n'as pas volé, non? C'est clair. Tu t'y connais, toi, en mécanique? Évidemment. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Oh, bon sang. C'est sûrement le radiateur. Oh, le c'est ça, je te jure. Mais oui. Oui, ça, ah, c'est le radiateur. Je te l'avais dit. J'ai besoin que vous laviez ça. J'en ai besoin en urgence, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oh, tu as commandé un petit déjeuner parce que j'adorais un mimosa et quelques fruits. Je viens de raccrocher avec mon père et je veux savoir ce que tu trames avec lui. De quoi tu parles? Je ne suis pas un abruti, Sandra. Je sais très bien que tout ça est un plan que vous avez monté, toi et mon père. Je viens de regarder mon portable et je n'ai aucun appel de toi. Alors, à quelle heure t'as appelé? Qu'est-ce que tu trafiques avec mon père? Écoute, ton père m'a dit que tu étais à Cuernavaca. Alors pourquoi tu ne m'as pas viré de ta chambre hier soir? Hein? Si tu étais aussi énervé, pourquoi tu ne m'as pas dit tout ce que tu m'as dit maintenant? Hier soir, on a fait l'amour de la façon la plus passionnée. Comme la première fois. D'ailleurs, ça a été merveilleux. Et puis tu m'as juré que j'étais la femme de ta vie. En premier, tu as bien rien quoi, t'as été plus dur. Bonjour, bonjour mademoiselle, est-ce que je peux vous aider? J'adorerais un verre d'eau. Je suis en pleine déshydratation. Mettez-en deux. Vous êtes des clientes de l'hôtel, je suppose. Non, mais mon fiancé, parce que Marie a passé la nuit ici. Ah. Dans ce cas, accompagnez-moi à la réception, on va vous y informer. Et les verres d'eau? De suite, je vous les apporte tout de suite. Ah, très bien. Ah, très bien. Par ici, je vous prie. Attends une minute. On va quand même pas laisser la voiture d'Augustin comme ça, hein. Et si on la volait parce qu'elle est jolie? Si vous me permettez, je vais remettre les clés au valet du parking. Ah, d'accord. Dites un peu. Et ce monsieur du balai, vous pouvez lui demander de faire le plein de la voiture, voilà, 2 euros, hein? Vous ne les faites pas voler, hein? Oui, oui, bien sûr. Oui? Merci, vous êtes trop cool. Merci, ouais. Allez. Bonjour. Dans quelle chambre, Santiago? Santiago qui, pardon? Santiago Rodriguez. Donnez-moi une seconde. Les voilà. Ah, merci. Ah, merci. Merci pour les glaçons, monsieur. Hein. Merci. Monsieur Rodriguez est dans sa chambre avec son épouse. Comment ça, avec son épouse? C'est moi, sa fiancée. Désolée, mais c'est ce qui est écrit. Et où est-ce qu'elle est, sa chambre? Je vais le voir, ne me touchez pas, lâchez-moi. Vous ne pouvez pas rentrer, mademoiselle. Lâchez-moi, pourquoi je ne peux pas rentrer? Ce sont les règles de l'hôtel. Santiago est mon fiancé. Si vous dites qu'il est avec son épouse, je dois aller le voir de mes propres yeux. J'en ai rien à faire de vos règles. Vous ne pouvez pas y aller, c'est une propriété privée. C'est compris? Suis-je coupable, moi, de t'aimer tant? D'être ici parce que tu avais besoin de moi, de répondre quand tu m'appelles. Et de t'aimer, alors que tu ne cesses de m'humilier. Hein?